Compte tenu de l'état actuel de Santorin, considéré comme une destination de vacances de choix, il n'est pas généralement connu que, avant l'ère du tourisme, l'île était une puissance de la marine marchande à elle toute seule. Vers la fin du 19e siècle et au début du 20e, Ia était la plaque tournante d'un établissement à l'armement riche qui a envoyé son négoce de navires dans toute la Méditerranée et la mer Noire. Ces magnats construisirent d'élégantes demeures qui sont encore conservées et donnent à Ia beaucoup de son charme d'antan. Le musée maritime d'Ia est situé dans une de ces demeures. Il vous donne un aperçu vif des dernières gloires maritimes. Les grandes propriétés et les capitaines, les voiliers qu'ils opéraient, la richesse qu'ils ont ramenée, les riches vêtements qu'ils portaient et leurs épouses. Quiconque aime les navires et la mer devrait se rendre directement dans ce musée.